Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation donc de mon album de la collection Stamperia et c'est Provence. Donc c'est la nouvelle collection parce que l'année dernière, ils ont sorti il y a un petit peu plus d'un an aussi une collection Provence que j'avais acheté. Donc je vous remettrai dans le petit i l'album que j'avais fait. Et là, j'ai une amie qui m'a demandé en fait un album mariage avec cette collection-là parce qu'elle avait adoré ma première présentation, mon premier album. Et du coup, pour mettre les photos de mariage de son fils. Donc du coup, c'est la collection qu'il y a dans la box du mois d'avril des kits de Corinne. Donc pareil. Non, ben, je vous remettrai plutôt dans le petit i la présentation de la box. Si j'arrive à vous mettre deux présentations, je vous mettrai aussi l'album que j'avais fait. Donc du coup, j'ai utilisé le bel embellissement bois qu'il y avait dedans avec les fleurs. Donc j'en ai pas rajouté. Donc ça, c'est les fleurs à monter que j'ai posées et puis je suis venue coller les petites fleurs dessus. Ensuite, la petite découpe que j'ai fait là, donc ça c'est un dies action. Je me suis rappelé en regardant un autre, enfin chercher un autre dies et je suis tombée dessus et je me suis dit mais oui en fait il y avait ce petit dies là et c'est vachement sympa donc dans la petite, dans l'encadrement et c'était la première fois que je m'en servais avec le petit cœur qu'ils font avec leurs mains, magnifique. Et puis ici pareil de la même collection des dies action avec les deux anneaux. Donc là, c'est le cover que j'ai utilisé. Franchement, j'aime beaucoup travailler les covers parce qu'ils sont hyper faciles à travailler. C'est d'une simplicité. Et ce cover-là, ben, il va très très bien avec la collection, bien évidemment. Ensuite, après, je vais vous passer vite fait parce qu'il y a les tutos qui suivront à partir de demain. Donc là, une pochette. Les emplacements photos. Donc j'ai choisi de faire. Des petits emplacements comme ça, des petits cadres, des petits coins photos avec donc cette perforatrice pour qu'on vienne y glisser donc les photos. Donc ensuite les petites perles ici, c'est des demi-perles donc que j'avais aussi trouvées chez Action qui allaient très bien du coup avec la couleur. Donc là on ferme avec, ça c'est un die cut en carton, un petit aimant. Et puis là, j'ai fait une petite compo, les petits coins photos. Et là, un grand espace pour y mettre des grandes photos si elle a des grandes photos. Et puis en plus rajouter dans la pochette si besoin. Donc ensuite, la deuxième page, pareil, ici, die cut, die cut, avec cette jolie image. Et quand on ouvre, là, j'ai juste mis un petit arrêt pour venir glisser la photo ou la coller, hein, si c'est peut-être une plus grande photo. Ici, donc, les espaces photos. Donc là, pareil, si elle veut coller une photo, elle collera sa photo. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, donc fermé hein, comme ça par un autre die cut pour venir cacher l'aimant. Donc ici, un joli ruban. Je ne sais plus où je l'avais eu, mais j'ai retrouvé dans mes rubans. Ah oui, je vais vous montrer les mots viennent d'une planche. Je vais vous montrer. J'ai acheté donc cette planche de mots, donc c'est 4 en scrap. Donc quand j'ai été au salon en Belgique, j'ai acheté donc cette planche de tampon et vous avez en fait le dies qui va avec pour pouvoir découper les étiquettes. Voilà, c'est hyper pratique et hyper sympa. Donc vous avez doux moment de bonheur. Donc la planche s'appelle Doux Moment. La vie est belle, instant magique, petit bonheur, instant inoubliable, une belle journée, bulle de bonheur et tendre moment. Donc voilà, j'ai mis les petites étiquettes et ça allait très bien.
Donc, hop, espace photo, voilà, j'ai fait très simple. Hop, voilà, donc avec le petit ruban. Alors, on va y arriver. Voilà. Ensuite, une petite image de la collection. Alors, il y en a énormément, donc... Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai utilisé, donc, dans la box du mois d'avril, c'est une collection 2020, avec les die-cuts, les embellissements. Donc, moi, j'ai racheté deux collections 2020. Et puis, après, en papier de fond, je me suis servi... Hop. De papier pollen en 210 grammes et c'est la couleur glycine. Voilà, donc je trouvais qu'elle allait parfaitement bien avec. Et je m'en étais déjà servi dans mon premier album, donc du coup, c'était l'occasion. Donc là, une pochette, donc je ne vais pas vous la réouvrir, vous avez vu. Donc j'aime bien ce système de fermeture, je trouve que ça fait très joli. Ici, hop, on ouvre. Une cascade, donc une cascade très simple. Alors là, je n'ai pas mis de coin photo, donc elle viendra les coller si elle le souhaite. Enfin, je pense que de toute façon, elle fera comme ça parce que je n'ai pas. Ah si, j'avais dit une bêtise. Peut-être que je vais les rajouter. Je me suis dit, mais non, j'ai pas mis les 0,5 d'aisance pour pouvoir laisser la place, mais si. Donc peut-être que je viendrai les rajouter pour pouvoir y glisser les photos. Et oui, très 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 important aussi, dans la box, j'avais, alors je sais plus, oui, hop, dedans il y a, c'est en 15-15, un petit bloc comme ça, et du coup je m'en suis servi donc pour les emplacements photos, et puis un petit peu des fois pour mater les étiquettes. Par exemple ici, en dessous, j'ai mis ce papier là. Donc voilà, ici juste un petit stop pour venir y caser la photo. Là, pour faire un petit journaling. Voilà. Bah, ensuite, ici, très simple aussi, hein, un rabat. L'espace photo. Une petite pochette aussi. Hop, pour pouvoir y rajouter d'autres photos. Comme ça. Ici, deux petits. J'ai choisi d'en mettre deux. Voilà. Pour venir y glisser les photos. Bah ici pareil hein, avec la petite pochette et puis les petits die-cuts de décoration. Et ici la petite enveloppe à la fin. Donc là je suis venue faire un seau. Je ne l'ai plus à côté de moi, mais c'est un seau que j'ai acheté sur le salon version scrap jeudi soir. Et c'est un cœur. Et je trouvais, bah, je l'ai acheté exprès pour faire l'album. Et j'ai un deuxième album. Mariage à faire, donc, mais là un peu plus gros et vous l'aurez aussi en tuto. Et j'y viendrai aussi mettre ce petit seau. Donc parce qu'en fait c'est par aimant, donc vous le verrez dans le tuto. Donc l'aimant est juste en dessous. Comme j'ai directement fait l'enveloppe dans le papier design, du coup pour venir cacher l'aimant, l'autre il est juste en dessous ici. Il ne gêne pas. Et l'autre il est en dessous du petit seau. Donc voilà, alors j'ai pas compté, je vous mettrai le nombre de photos qu'il peut contenir, parce que c'est vrai que je les ai pas comptées. Et bien voilà donc pour la présentation de mon album, je suis très très fière, j'aime beaucoup beaucoup, et je trouve que donc la revisite qu'ils ont fait, c'est très doux au niveau des couleurs, et j'aime beaucoup, voilà. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas... à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et puis à vous abonner si vous le souhaitez. Et cette box sera scrappée par Célie Scrap. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.